Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Sirikai. Bonjour les gens. Allez, on enlève la pause, on reprend. Est-ce que je vais réussir à tenir la bataille? Ouais, c'est bon, ça devrait être bon. Toi, tu vas arriver, tu vas peut-être t'aider au stack wipe. Allez, priez, priez, priez. Allez, vite, 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 ramenez-vous là, les gars. Nickel. Oh putain, on est arrivé à temps. Oh la chatte. Je sais pas si t'es arrivé à temps ou mais dans tous les cas, t'as mes troupes qui avaient. Parce qu'en fait, il avait ses canons en première ligne, il avait un trou dans sa ligne de front. Donc, théoriquement, à partir du moment. Moi, mes canons étaient encore en deuxième ligne, mon front se rétrécissait, mais ça tenait. Mais bon, dans tous les cas, t'étais là pour défoncer au cas où. Où t'arrivais, Sont peut-être, moins c'est pas les chers. mecs, la cavalerie, quoi. Le jour, pile le jour quand il fallait, ils sont là. C'est ça. En général, on chiale jamais quand un allié qui arrive. Exactement. Ouais, Dundar, c'est prêt. Hop, ça à la DAC. Continue à dévaster des lits un petit peu, hein. Ouais, moi aussi, hein. 37 prépare Teki Yarkand. Putain, Tranoxiade. Transoxane, c'est un peu devenu la pute du coin. Alors en fait, pour te filer 3 provinces, il te faudrait 94 de score de guerre. Ouais, ça devrait être bon. Et on dépasse le score de guerre apparemment. Mais bon. Si tu crois moyen à la histoire de dépassement de score de guerre. Il y a toujours des troupes d'élite, hein, ce couillon. Ouais, ils sont là-bas, ils sont en train de. Ils sont chez moi. Ils s'éclatent, ils font muse. Il m'a insulté, Transoxiane. Le mec, il est fou, quoi. Mais mec, tu vas déjà être en guerre, tu veux pas t'en prendre une autre dans le cul, hein, je sais pas. Voilà, je suis en train de siéger les provinces. Ah, j'ai fait Thanksgiving et les sauvages, au fait. Thanksgiving avec les sauvages. Ah, maintenance moins 10% ou l'armée. Allez, plus moins 10% de coût de maintenance d'effort. Enfin, ouais, de maintenance d'effort, on prend. Et... Mais Dilly, t'es sûr que tu veux pas faire la paix maintenant? Allez, va chier, on va leur filer une promotion pour ces glands du là. On va faire la promotion d'une caste. Voilà, on laisse les vassaux faire le boulot. Par contre, je sais pas où est son armée à ce connard de Delhi. Allez, chez moi. À Delhi. Ouais, il y a Delhi chez moi. Mais elle est où? Je le vois pas. Chez toi. Mais en fait, elle est au sud de Malwa, des provinces que j'occupe, je veux dire. Ah ouais, ok. Attends, on va faire autre chose. On va piller son putain de territoire. Ah putain, la richesse des provinces, 18. Waouh, ah ouais. On va se rembourser la guerre là. Non, ouais, t'as raison. T'as pas assez de monde. T'es pas assez dans la guerre. Toi, t'en rajoutes encore. C'est un sauvage qui a 5 000 hommes, puis ben, il est pas encore tributaire du Ming. J'en profite. Eh, mais j'en reviens pas. Les provinces, la richesse des provinces, Sorkot. La richesse de Sorkot, il y a 25 ducats dans la province. Bouge pas, j'arrive. Drodar, j'y suis. Faire un pile pro, il y a 4 ducats, c'est une blague. Normal, il y en avait 40 avant, t'as tout piqué. Ah, c'est pour ça, ouais, je pense. C'est bien qu'il y a un truc bizarre aussi. Donc, la manpower, putain, j'étais à 16 000 en déclarant la guerre, là je suis à beaucoup moins. Je suis à 6 000, mec. Mille 424, j'en récupère combien? On va concaténer un peu les troupes, histoire de limiter les coups de renfort. Voilà.
Des lits. Ah bah il me fait la paire, regarde ça. Alors on disait il me faut... Bon, attends, je Et c'est bon. m'en pose. La peine. Je vais Je trois provinces. vérifie. Non mais Je je suis vérifie désolé. quand même. Il me faut... Il me faut des lits en fait. Des lits de quoi rejoindre mes provinces T'inquiète là-haut. pas, c'est fait. Nickel. Oh, c'est beau ça. C'est tout en route. Voilà, et ça fait que là maintenant... Malwa, alors, bon, Malwa. Honnêtement, hein, moi je t'annonce de suite, mes troupes, elles se mettent en stand-by, et enfin, sauf si t'as besoin d'armée, tu veux que j'y aille ou on laisse les vassaux faire le taf? Et on défonce les troupes chez toi pour... Eh oui, si tu laisses les vassaux faire le taf, c'est bon, ça n'ira Je vais pas. envoyer une... Je vais envoyer une armée. Je vais envoyer une armée m'occuper de... te filer un coup de main sur ton territoire. Genre, hein, t'as un endroit, si j'arrive à temps, quoi, ils sont... T'as tes 6700 hommes, ils vont défoncer les 10 300 ennemis. Ah non, t'as perdu. Je vais t'aider là-bas, par exemple. J'envoie une armée, les deux autres, je les laisse sur le territoire. Mission fulfilled. Build things. Voilà. Tiens, on prend ce Ensuite. capital, toi. Faut juste que je récupère le Gujarat après. Manage. Hop. J'ai augmenté l'autonomie, je vais pas m'emmerder. Non, cocu, on va attendre. Ouais, c'est bon, on a récupéré le capital. Bizarrement, le score guerre passe à 51. Oh, c'est drôle ça. Va être un petit peu trop là. Hop. Ouais, je dessiège les provinces, histoire de... C'est bon, c'est dégagé. Je suis gavé. Trois provinces. Hop, les pingouins sont safe. Ah non, Et les quoi? pèlerins. Oh, les pèlerins, pingouins, même combat. Hein. C'est pas le même combat, mon combat, c'est pas sûr, hein. J'ai entendu parler de la solution finale au problème pingouin. Sa vie à exterminer, c'est pas une bipède ridicule. Bon, j'aime bien, c'est qui? C'est Calandrier, le mec, il fait tranquillement son siège, nous pensons on dessiège. Les troupes se reposent, la manpower remonte un petit peu. La manpower, je claque combien? 400. On va fusionner les unités, comme ça demande moins. Voilà, ça réduit les coûts. Hop, Vijayanagar, ok, je t'ai libéré ta province. C'est à toi ça, ouais. Je l'ai décidé. Oh, c'est trop mignon, une petite armée ennemie qui est là. Est-ce que je peux aller le défoncer? Ah bah non, bon, on va aller libérer Jarnar. Mais c'est de le plus, c'est qu'il y a encore des armées ennemies en fait. On a sorti qui la guerre? Malwa, tu l'as sorti de la guerre? Ouais, c'est bon, c'est Ouais, sorti, parce hein. que Je suis j'avais plus de Arthur. territoire occupé, je me disais, je comprends pas. Non, mais ben là, je vais dessiéger, ouais, il a 1000 hommes là-bas, mais après, bon, il tient un siège et un autre. Tu parles. C'est bon, c'est gagné la guerre là. Il fait cliquer les îles là et bon, il est baisé. C'est-à-dire que je vais filer mon vassal aussi, hein. Et en fait, et dans les îles, en deux îles, la guerre a gagné. Le mec a plus d'armée, je lui ai
Occuper ces provinces, c'est bon. Enfin, j'ai carpe tiège. Encore une victoire facile pour un canard. Encore une victoire pour Canard. Ouin, ouin. Là, Cette tu sens pub les la mecs qui ont de la con. culture. Ouais, mais tu sens les mecs qui ont de la culture quand même. Hein. C'est ça. Diplomate. Nanana. Voilà, on dessiège les territoires. Ah ouais, son armée, il est en train de faire des mercenaires là-haut chez à Katmandou. Putain. Je veux dire que les mecs ils sont en vacances. Vacances Katmandou. Non, je dis de la merde. C'est plutôt une punition, hein. Ouais. Donc. Ah ouais, putain, l'Empire Mughal. J'ai testé un peu en mode, tu sais, en debug mode et tout. Oh, c'est pas mal. Ouais. C'est oh, c'est impressionnant. T'as même pas besoin de corer les provinces. T'as juste. Non, t'as juste. À... Je crois. Ah, je sais pas s'il faut la corer ou faut l'avoir la province. C'est gavage, quoi. C'est bonjour, j'arrive, je reprends le territoire et voilà quoi. Adopt Mamluk Government. Ah bon, je peux faire ça moi? Faire Non. quoi pour avoir? Mamluk does not exist. Faut que j'ai Kaira. Ça va, si Kaira. t'es musulman par hasard, Si que tu peux possible, seulement adopter le gouvernement ça Mamelouk. doit être. Mais moi, je vais plutôt prendre le Mughal. Tu Ah, faut que m'étonnes. j'ai Koré Delhi. Le problème, c'est que pour Koré Delhi, faut que je core Sama machin et que je core ensuite Batina pour ensuite Koré Delhi. Sachant qu'un core, c'est 3 ans. D'ici 10 ans, t'auras le Mughal, c'est bon. Ouais. Tiens, pense à ce que je vais faire. Je vais aller libérer Katmandou. Bougez pas, j'arrive! Mes provinces. La manpower passe à 9400. Là, ouais, j'ai une 400 mecs par mois quand même. Oui, tiens, on va faire la paix, regarde ça. Ah. Hop, à plus que j'ai raté. A plus Gujarat, non mais à sauvage quoi. Ah mais putain, a plus Gujarat, mais Gujarat il a popé à Kapandou au final. Non. Bah si, il y a 3000, il y avait 3000 soldats. Heureusement j'étais sur la route. Il reste 1000 mois chez mon vassal. Ok, bon, on va retourner là-bas. Voilà. Non, lui je l'ai ramené là-bas. Ah, pas venu au fait. Oh merde, encore trousse. L'inquisiteur doit mourir. Il m'a trahi. C'est que je comprends pas les gars, c'est. Vous avez un type qui m'a trahi, qui s'est fait exécuter. Est-ce que vous pensez Qu'est-ce vraiment que qu'ils c'est une bonne font? idée de retenter encore le coup, les mecs? Non, mais on sait jamais sur un malentendu. Comment dire? Non, je crois que t'as pas tout compris là. J'ai 668 points administratifs. Je vais pas courir parce que c'est trop loin. Ah! Comme ça. Ouais. Oh, il y a Sind qui est allié de Malwa. Oh, le petit Sind! Je vais bouffer juste après. Ouais, en plus, signe de ce qui reste, je crois que c'est ton territoire à toi. Ouais, c'est dans mes Oh, j'ai côtés. du bol. L'autre, il fait le siège à Katmandou, il a 1000, 1000, 1000. Donc, les provinces sont fortes. Il peut les prendre, mais s'il tape, je sais plus quoi, une connerie, pouf, attrition, il tombe à 900 hommes. Et moi, ça fait que bah, je peux revenir tranquillement. GG. C'est pas mal, je suis assez content de moi. Tu m'étonnes. Hop. On va convertir religieusement tout ça. Ensuite, oui. Ah oui, c'est Doty. C'est à Doty que je vais mettre sur la gueule. Allié avec Guge. Bon, ben, Doty, il est tout seul, en fait, ce qu'on voulait dire. Je vais mettre à la DAC et je vais aller défoncer l'autre. Parce que je crois qu'ici... Ouais, c'est ça, l'histoire. Doty, allié Guge. Et Guge, il est avec qui? Khan et Doty. Khan, c'est quoi? C'est au-dessus, je crois. Non, donc je vais plutôt m'occuper de Doty. Diplomatie, Declare War, Tekpalpa, Tin. Oh, c'était nul. C'était bon. C'était pas du tout épique, mais bon.
ça, merde. Merde, les forts, on les démobilise là. Hop, ouais. Y a quoi de collision qui veut se monter contre moi, les gars, ou je sais pas. Je crois qu'en même temps, ils ont plus trop envie de se faire défoncer le fion, quoi. Donc, ils sont un peu en mode, ah non, mais sérieux, on va te défoncer la gueule. Quand... Je sais pas, mais la prochaine fois, on te casse la gueule si tu recommences. Je me suis fait D'accord. chier, j'ai créé une nouvelle armée en plus. Le signe de première chose qu'il fait, dès qu'on a fini la trousse, il fait quoi? Vas-y, je te fais un blocus sur tes ports. Non, mais je te fais un embargo. Mais t'es con, toi? Tu Comme ne tiens disait pas la vie, un. c'est tout. J'irais pas un pote, parce que c'est un pote, un mec avec qui j'étais en BTS, qui... sa phrase, ensuite il dit: mais t'es con ou t'es con? Bonne question. Voilà, je défonce l'armée Guge, 3000 hommes. Ah, Oh, on va récupérer d'ailleurs. je vais filer mes vassaux. Ah non, il est là-bas. Oh, c'est mignon. On a fait le siège de Delhi. Lahore. Quand j'aurai fini de Bamani, je me ferai un petit peu le Bengale, hein, tu sais, au jour. Forteresse là, non, c'est un fort de capitale. Hop, l'armée est arrivée là-bas. Oh punaise, même mon vassal se met à défoncer des armées ennemies 4 mondes. Pourquoi il va là-bas, cet abruti? Je fais un siège, il fait quoi? Il va. Je sais pas où il va, il a démonté l'armée, mais occupé province, débile. Bon, ma guerre coloniale elle va se finir par, tu te doutais pas du tout, une victoire. Non, sérieux, t'as réussi, chapeau. La chance, en même temps, ça a 2 PM, le pauvre gars. Le pouvoir du TIA fait de la peine. T'es un méchant, tu t'appelais gentil. Si nous nous collisons contre moi, eh ben et non. Mon Dieu, j'ai peur, maman. Allô, maman Bobo, là, en fait. Ah oui, c'est clair. Yas, c'est une question militaire contre moi, mais Yas, il est entre Hormuz et le Timouride. Comment dire? Bah, tu sais, des fois... Non mais, sûrement entendu, ça peut marcher, hein, effectivement. Voilà, exactement. Ah, voilà. Donc l'autre, il n'existe plus, là, il guge. Ah! Au 3 séparatistes, ça fait un petit peu chier, là. Timouride occupe pur sang. Pur sang, on va aller défoncer l'autre là-bas. Ah, c'est l'armée de Doty, ça. Bon, de toute façon, Guge, on va le... Ben, Guge, je vais être cool. Je vais faire moite-moite. Ah non, faut que je regarde quelle culture c'est. Putain, j'ai regardé une vidéo d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des putains de vidéos. Le mec, il a un niveau de jeu, c'est du Marco Antonio, que je disais à Serikai un peu en private. Le mec, c'est... il fait des... Il a fait du World Conquest, avec tout, avec le pape, avec le... Et c'est un mec spécialiste du je bascule, je deviens orthodoxe, ensuite, vas-y, je rechange et je deviens ci, je deviens ça. C'est... Oh, voyons, Cachemire, non, faut que je refile ça donc à... Ah, faut que je donne tout ça, l'autre là-bas, et c'est la culture népalaise. Donc, Sagu, faut que je donne ça
Ah. Katmandou. Ah. Katmandou. Ah. Katmandou. Et le Tungdung de fin d'épisode. Donc, on va s'arrêter là. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de choper l'autre pécor, à savoir Guge, en disant: donne-moi tes provinces. Là, bon, j'ai battu les rebelles. Donne-moi tes thunes. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon. Et on prépare l'offre de paix, même si elle passera pas. Et voilà. Et on va s'arrêter. Oh, une coalition. Oh, c'est trop mignon. Avec Delhi, moi, Malwa, moi, Guge, ben, il va disparaître. Et Transoxiana, le mec, il a peur de rien. Mais si tu veux, mon gars. Ah ben, elle a disparu, l'armée ennemie. La question, ce sera qui entre toi et moi, Delhi et Malwa, vont-ils haïr le plus? Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais on le saura dans le prochain épisode. Bon, allez, sur ce, les gens, on vous laisse là. On vous dit ciao, bye bye, et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir, Jean.